Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Eh oui, un nouvel environnement, j'ai la super chance d'avoir été invité et d'être hébergé convivialement à Golf en Ville. Et j'ai deux chances aujourd'hui, deux chances. Une structure super où on va bouger, vous allez voir, d'un espace où on fait les exercices spécifiques, préparation physique spécifique golf. Et puis, juste à côté, la baie indoor dans laquelle... ma championne, la super championne présente, dont j'ai la chance d'avoir la présence sur ce live, va pouvoir taper des balles. Alors, je vous parle d'un petit phénomène, parce que, comme je l'ai mis dans le texte annonciateur, cette demoiselle, encore amatrice, va jouer et a déjà gagné des tournois professionnels. Elle a 6 victoires cette année. Elle est classée 12e mondiale en amatrice. Et elle est sur un tremplin vers le professionnalisme qui est extraordinaire. J'ai nommé Agathe Lenné. Voilà. Bonjour à tous. Alors Agathe est joueuse au RCF La Boulie. J'ai la chance de travailler avec elle. Je dis bien une chance parce que c'est une bosseuse et puis qu'il y avait pas mal de choses à voir. On va en parler justement sur nos exercices. On est donc aujourd'hui en indoor à Golf en Ville pour la première fois, mais sûrement pas la dernière fois. Et on va pouvoir discuter de ce que fait Agathe en préparation physique et ce qu'elle fait de façon spécifique pour son swing. Voilà. Donc, Agathe, si tu veux finir de te présenter, tu as 1 minute chrono. Ok, bon ben, je m'appelle Agathe Lenné, j'ai toujours joué au golf dans ma vie et je suis ravie de faire le sport avec Cyril parce qu'il est super. Non mais hey, elle n'est pas commerciale, elle est joueuse, hein, je vous rassure, tout va bien se passer. Pourquoi j'ai choisi de parler de préparation physique aujourd'hui avec Agathe? Non seulement parce que j'ai la chance de l'avoir sous le coude, il faut en profiter parce que dans une semaine et demie, deux semaines, elle prend l'avion et elle va jouer l'US Open Pro, d'accord, à Houston. Donc il faut absolument que vous la suiviez et que vous la supportiez. Donc j'ai encore la chance de l'avoir sous le coude. Et puis je voulais qu'on voit avec elle deux problématiques qu'elle a dû aborder en préparation physique depuis qu'on travaille ensemble, presque un an maintenant. Eh bien, c'était la mobilité de hanche pour l'accélération et puis l'extension des hanches en rotation. Et puis également les épaules et notamment la connexion épaule avec omoplate dans la rotation ici, l'insertion, en tout cas le positionnement du backswing. Alors Agathe, tu es mon petit cobaye, on va essayer de s'amuser autour de plusieurs exercices. Le premier que je te propose, c'est de déverrouiller ou de réchauffer un petit peu ta hanche, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que ce matin, à 7h30, elle était sur le bord de Seine déjà pour travailler physiquement. Donc là, on ne fait que s'amuser ensemble. Donc, je te propose de redéverrouiller un petit peu ta hanche. Donc, premier exercice, à plat ventre. Hop, installe-toi. Elle va fléchir une jambe. Et je vais l'embêter avec un élastique dans son déplacement de sa jambe. Pourquoi? Parce qu'elle va tourner le pied vers l'intérieur. Donc là, elle va être en ouverture de hanche. D'accord? Et tourner le pied vers l'extérieur qui nous intéressait, nous, énormément dans le swing d'Agathe. Puisque quand elle est en fermeture de hanche, ici, elle est en top backswing, ou en tout cas, elle se positionne pour le backswing, et c'est cet endroit-là, ce moment du swing d'Agathe, qu'on devait travailler pour différentes raisons, une opération au genou, et puis des petits soucis au pied droit en termes d'équilibre, mais ça n'a rien de très compliqué. Donc on avait besoin de déverrouiller cette hanche qu'on avait diagnostiquée comme étant un petit peu limitée, ou en tout cas pas confortable pour son swing, et la préparation de l'accélération en rotation. D'accord? Donc sur cet exercice-là, c'est vraiment un exercice de mise en route, de déverrouillage, d'accord? On nettoie un petit peu la hanche entre guillemets. Comme elle a l'habitude de le faire sans élastique, je l'embête aujourd'hui, mais elle l'a fait aussi. Et on y va, c'est parti Agathe, tu vas me faire 10 répétitions. Voilà, je rentre, et ainsi de suite. Quand vous faites cet exercice, faites très attention à une chose, à garder les deux hanches contre le sol, contre le tapis. C'est très important que les hanches ne décollent pas, de façon à ce que ce ne soit pas la rotation du bassin qui fasse le travail, d'accord, et plutôt la hanche dans le bassin, le fémur dans le bassin. On en reparlera sur les exercices d'après, et tout de suite après, quand elle va frapper des balles, vous allez voir,
je lui demande toujours, quand on fait un travail combiné comme ça, d'accélérer. En l'occurrence pour Agathe, merci Agathe, en l'occurrence pour Agathe, c'était surtout et beaucoup le côté droit qu'on avait besoin de travailler, d'accord ? Donc sur ce type d'exercice, je lui demande de ne faire que des répétitions, que ce soit avec ou sans moi, elle a l'habitude de ces exercices-là, que des répétitions sans travailler le côté gauche. C'est un choix, on a ciblé le travail, donc on ne fait que le côté droit qu'on a besoin d'améliorer. Tu peux te lever, Agathe, puisque tu sais que l'exercice suivant est un exercice où tu es assis. Je le montre à tout le monde. C'est un exercice où on va accentuer la tension sur la fermeture de hanche. Là, elle était vraiment, elle baladait son pied, ouverture, fermeture. On peut dire que sans élastique, ça devient vite confortable. Si vous le faites à la maison, essayez la semaine prochaine, là par exemple, ou ce week-end, faites 3 fois 15 répétitions. Voilà, et puis vous me faites ça, mais aujourd'hui on est jeudi, vous me le faites demain, vous me le faites dimanche et vous me le faites mardi, un jour sur deux. Et vous allez voir que dès mardi, cet exercice sans élastique, ça va devenir hyper facile. D'accord ? À condition de garder les deux hanches collées au tapis. On est bien d'accord ? Donc, avec l'élastique, en tout cas ce qui concerne Agathe, on cherche à avoir déjà une activation musculaire avec un engagement, d'accord ? Quelque chose de beaucoup plus intense que juste je m'échauffe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur l'exercice d'après, qu'elle a l'habitude de faire, même si elle l'apprécie moyen, on va dire ça comme ça, on va être sur jambes fléchies, d'accord, 90 degrés quasiment, ou un tout petit peu plus. Et là, je vais, en prenant appui au sol, je vais essayer de décoller uniquement mon pied, ici, du sol. Même si vous décollez de très peu, ça suffit pour travailler ici la fermeture totale de la hanche. Je vous montre, et puis Agathe va vous montrer ses progrès. Tout de suite après, je suis là, et vous voyez que c'est tout petit, là, et ainsi de suite. Ok ? Agathe va être bien plus déverrouillée que moi, elle va vous montrer ça. Le but du jeu, quand on enchaîne ces exercices, c'est vraiment de pouvoir faire 3 exercices sur ce thème-là, et tout de suite derrière, on va aller taper des balles, où je vais lui demander d'engager, vous voyez, un petit peu, la différence. Voilà, le travail de l'âge, impeccable. Je ne vous cache pas qu'elle n'était pas aussi confortable. Hein. Elle arrivait à faire à peu près, là, vas-y, montre. Ouais, ça. Ah, elle arrivait à peu près à faire ça il y a 3 mois, 4 mois. D'accord ? Donc, avec le travail, les différents exercices, voilà. Là, ça devient beaucoup plus facile. Et on a un vrai travail de hanche. Pareil, cet exercice-là, vous pouvez le répéter 3 fois dans la semaine. Ça prend 5 minutes. Vous me faites 12 répétitions à droite, 12 répétitions à gauche, sauf si vous avez identifié une limitation sur votre hanche droite. Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est de ne pas perdre de temps, de travailler directement à droite. Montre-nous ton autre côté, celui qu'on n'a pas travaillé, voir un petit peu. Voilà, décale-toi un petit peu par ici. Impeccable. Alors vous voyez qu'on arrive à avoir quasiment la même hauteur, mais regardez un petit peu le buste qui est un petit peu moins stable. Bon, c'est un côté qu'on n'a pas bossé, donc je ne lui en veux pas. L'important, c'est d'avoir la capacité de pouvoir fermer, verrouiller son bassin sur la hanche, sur le fémur, de façon à installer le geste technique dont on a besoin. Et là, excuse-moi Agathe, je vais passer devant toi, je vous rappelle. Donc là, c'est ma jambe droite, c'est ma jambe arrière dans mon swing, je suis droitier. Là, je vais fermer mon bassin contre ma hanche. Je vais pincer contre ma hanche, d'accord ? Et le fémur ici avec la rotation, mais je ferme au niveau de la hanche pendant que l'autre est ouverte. C'est cette fermeture-là qu'on a bossée chez Agathe de façon à lui donner plus de confort dans le positionnement, mais aussi le redémarrage. Ok ? Donc voilà un petit peu deux exercices. Typiquement, ces deux exercices, je les mets ensemble. Je les fais bosser ensemble, l'un derrière l'autre. Je finis d'abord toutes les séries du premier, puis toutes les séries du deuxième. Et derrière, on peut éventuellement passer sur du jump, sur de l'explosivité de bassin, sur de l'extension de hanche, voilà, en fonction de ce qu'a besoin le joueur et la joueuse. On va passer, nous, sur un troisième exercice que je voulais vous montrer, qui est très simple.
avec... Est-ce que tu veux me faire contre le mur là-bas? Allez. Allez, c'est parti, je la suis. Comme ça, on va être prêt à frapper une balle. Donc, contre un mur, avec un seul genou au sol. Voilà, on est impeccable. Je vais demander à Agathe de soulever le pied avant et d'emmener son genou vers l'extérieur. Voilà, alors on va faire le tour comme ça, on va bien voir. Hop. Excellent, d'accord? Et là, vous êtes hyper exigeant avec vous. Vous n'acceptez pas un seul degré de changement de posture ici sur les épaules, que ce soit en bascule, hein, en bascule, merci Agathe, ou en rotation. D'accord? C'est vraiment, on est hyper intransigeant, hyper précis dans ce qu'on demande à la hanche, sans compensation. Voilà. Et typiquement, là on travaille que le côté droit parce qu'on avait pris parti avec Agathe de ne pas perdre de temps et de travailler et de cibler ce qu'on avait besoin. Donc là, côté droit, très bien. Ok, donc là, pareil, généralement, je l'embête un petit peu plus, de l'ordre de 4 séries, 5 séries, 10 à 15 répétitions, que du côté droit à enchaîner. Donc, au bout d'un moment, ça tétanise. Au bout d'un moment, on commence à lâcher ici au niveau du dos. D'accord? Agathe, tout va bien? Ça va. T'es encore en forme? Ouais, ouais. Alors, si t'es en forme, eh bien, typiquement, quand on a la chance de travailler et en salle de sport, juste à côté du practice, eh bien, on fait un travail combiné, d'accord, de travail physique, exigence au niveau de la hanche. Et là, tout de suite derrière, elle va se positionner. On est au practice. Le gant, très important. Le gant, très important. Et là, je lui demande d'aller frapper des balles. Alors, avec mes exigences de préparateur physique et pas de technicien, c'est typiquement là que je vais lui demander de bien positionner son bassin au backswing et d'être capable d'accélérer l'extension de la hanche au downswing. Je vous laisse admirer. Agathe, si tu veux commenter des chiffres, une trajectoire, tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, typiquement, même si on n'a pas la chance d'avoir les chiffres, moi, je lui demande d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, parce que je reste préparateur physique, je ne suis pas technicien, d'accélérer dans la descente, d'accélérer le démarrage, on est bien d'accord, mais d'avoir avant tout un bon positionnement, surtout au top backswing. Voilà, je pense que vous avez vu le travail de la hanche. Agathe, tu peux nous montrer, en attendant d'avoir les chiffres, tu peux nous montrer le top backswing que tu as, par exemple? Oui, bien sûr. Je monte là et je fais attention à ce que la fesse droite elle soit bien derrière, la jambe droite elle soit bien tendue pour avoir le maximum de puissance quand je reviens au downswing. Ok. Est-ce que un petit commentaire sur les chiffres que tu as vus? Ou tout va bien aujourd'hui? Tout est parfait. Tout est parfait. Excellent. Allez, une dernière balle. Et on va repartir du côté physique. Alors, au bruit, à la frappe, on a entendu que c'était un petit peu plus accéléré. On y va. Donc 148,3. Donc tu avais un fer 7 dans les mains. Ouais. Si vous nous écoutez, elle a un fer 7 dans les mains. Donc 148,3, 17 de lunch, 7,5 de lunch, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein? Nous, après, on se sert de ces chiffres-là dans l'accélération, et ainsi de suite. Donc là, on a bossé sur un travail de hanches, où on a voulu progressivement voir jusqu'au swing comment on pouvait être attentionné à cette hanche droite et à cette fermeture de hanche droite, c'est-à-dire le bassin qui vient presser sur le fémur. D'accord? C'est typiquement un travail que l'on peut faire aussi dissocié en relation avec le coach. Il suffit d'avoir positionné ses exercices et dans la demi-journée qui suit, si vous voyez votre technicien, eh ben, un petit message. Bonjour, je converse avec son coach qui n'est autre que Vincent à la Boulie, RCF la Boulie, et qui lui me dit, eh ben voilà, j'ai observé que c'était mieux, que c'était pas mieux, c'était comme si, c'était trop lent, c'était rapide, blablabla. Donc les échanges classiques d'informations. Deuxième problématique que je voulais voir avec vous concernant Agathe, hein, qui va
va avoir la chance de jouer des super tournois et qui vient d'en gagner 6 cette année. 6, comme ça, hein. 6 victoires cette année, dont 2 en pro sur le Let Access. Extraordinaire. Merci Agathe pour ces émotions positives. Ça fait toujours du bien. Deuxième problématique, l'épaule en lien avec le haut du dos. Alors le premier exercice est très très simple. On avait besoin de gagner un petit peu entre le travail de la mobilité d'épaule, ça, on va dire, et puis le travail de l'omoplate ici, qui vient coulisser avec les fixateurs omoplates. On avait besoin que cette zone soit un petit peu plus forte et un petit peu plus fixe, en tout cas, puisse supporter les puissances qu'elle exprime dans son swing de golf. Alors le premier exercice, très simple, tu vas te mettre allongé à plat ventre. Petit tapis, très important. Ouais, tapis, le confort, aïe aïe aïe. Donc là, je vais me rapprocher, on va regarder uniquement le haut du corps. Ici. Oui, je vais te le donner. Hop. Donc, on va avoir un petit support qui surélève la main. C'est mieux si on voit la main, il paraît. Voilà, impeccable. Donc, un petit support, la main à angle droit, ici. Et je demande à Agathe de partir de mon support où je suis déjà presque en angulation maximale avec la main derrière, donc presque top backswing. Je vais lui demander de lever la main sans décoller le coude ici. Vas-y Agathe, fais-nous rêver. C'est hyper dur. Voilà. Voilà. Donc au début, ne soyez pas apeuré si vous gagnez très peu d'angle ou si vous soulevez très peu d'angle. C'est pas très grave. C'est à force de répétition. Et puis, bah, si vous n'y arrivez pas du tout, hop, vous enlevez ça. Et là, la satisfaction personnelle d'avoir quelques degrés, Agathe, va te faire plaisir. Ouais, mais nous, bien. Ce qui nous intéresse, surtout quand on a le support et quelques degrés à gagner, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est, oui, la rotation dans l'épaule ici, mais surtout dans ces angulations-là, on a une cohésion entre l'épaule et l'omoplate ici, d'accord, qui travaillent ensemble dans les derniers degrés, avec cette omoplate qui vient fixer l'épaule en position arrière avec la rotation du bras. Allez Agathe, fais un peu d'effort quand même. Est-ce que Agathe, tu nous montrerais l'autre côté? Parce que je suis sûr que là on est sur son bras gauche, on a une inversion hein, au niveau de l'image sur Facebook. Là, avec le côté droit, je mets un petit billet que ça va être plus facile. Ne me déçois pas, Agathe. Allez, on peut la laisser là. Vous avez vu la différence? Voilà, ça fait partie d'un diagnostic simple que l'on a fait au début, que je fais avec tous mes joueurs, toutes mes joueuses, quel que soit le niveau, que vous appeliez ça un joueur professionnel, joueur amateur, client, vous appelez ça comme vous voulez. Chaque fois que j'ai un golfeur, j'ai besoin de savoir comment son corps fonctionne. Donc, dans le diagnostic, parmi le diagnostic, j'ai des exercices sur mobilité d'épaule et cohésion avec toute la partie haute du dos. D'accord ? On peut très bien faire une variante de cet exercice sans support, d'être sur votre tapis de salon. Hop. Vous avez la main ici, très bien Agathe, et puis eh ben, je vais embêter un petit peu et elle va devoir forcer. Voilà. Donc demandez à votre conjoint, demandez à vos enfants de vous embêter un petit peu. Et elle pousse. 3-4 secondes, pas plus. Hop, elle recolle. Et elle pousse. Ok ? Personnellement, quand j'ai besoin de le faire et que je n'ai pas d'aide extérieure, eh ben, je mets le bras. Vous allez dire que je suis un petit peu fou, mais je mets le bras en dessous le canapé et je viens ici forcer contre le canapé. Et voilà. Ça, c'était la petite astuce. Et je relâche. D'accord ? Eh bien, très vite, vous pouvez avoir une sensation ici de contraction, voire de crampe. N'insistez vraiment pas. Le but du jeu, ce n'est pas de créer la crampe. Le but du jeu, c'est de pouvoir gagner ici en degrés et donc en confort dans cette zone-là. D'accord ? Puisque la cohésion dans les angles extrêmes de cette épaule se fait systématiquement avec omoplate, fixateur, omoplate. Ok ? Voilà. Alors, le poignet, Agathe, très bonne question d'Agathe.
Le poignet, on peut l'avoir dans le prolongement, comme vous le voyez ici, mais la plupart du temps, vous aurez envie de gagner quelques degrés avec le poignet cassé. Demandez-vous juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe dans le swing de golf? Remémorez-vous le top backswing. Quelle est la position de votre main droite? Et cherchez tout simplement à avoir exactement la même position dans cet exercice-là. Ça ne pose aucun problème. Au contraire, quand je me rapproche du geste sportif que j'utilise le plus, c'est-à-dire le swing de golf, eh bien, je récupère les tensions musculaires. Et là, je pense notamment ici à l'avant-bras, qui est souvent un petit peu en torsion sur ce genre d'exercice, d'accord? En tout cas, dans le swing. Donc, on se rapproche de ce que je fais pour taper une balle le plus possible. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, Agathe, au top backswing, ta main, elle est comment? Vas-y, cherche un peu. Comme ça. Voilà, exactement. Avec une petite angulation, c'est une petite extension de poignet. D'accord? On a le club qui est ici, avec une petite déviation interne par le pouce. Vous voyez, je l'embête un petit peu là. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? Donc voilà pour un premier exercice. On va appeler ça un exercice de déverrouillage également au niveau de l'épaule. Je vais l'embêter maintenant avec beaucoup plus de force à générer. Tu vas te mettre allongé sur le dos, Agathe. Yes, sir. Mais intérêt. Alors, allongé sur le dos. Tu vas mettre ça sous ton talon. Hop, serre tes pieds. Et les coudes de chaque côté. Comme ça? Ouais. Là. Je vais lui demander dans cette position d'enfoncer les coudes sur le sol. Voilà. Et vous avez vu, vous n'avez peut-être pas vu, sous le pied, j'ai mis un petit support qui n'est autre que le kettlebell encore. Et elle va devoir enfoncer le talon dans le sol. Ce qui fait qu'on va avoir une activation du talon jusque le bas du dos. Et avec le haut du corps, elle va activer tout ce qui est haut du dos, fixateur omoplate et arrière de l'épaule. Alors, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Hop, les coudes et t'essayes d'enfoncer à la fois les coudes dans le sol. Comme ça. Voilà. Et vous voyez là, qu'il y a, je soulève parce que j'ai un petit peu de force. Ça, 30 à 40 secondes. 30 à 40 secondes avec toujours comme directive, avec objectif dans votre exercice, d'appuyer très fort sur les coudes. C'est vraiment, je ne dois pas déverrouiller, tu peux relâcher un petit peu, ça fait déjà 30 secondes, je ne dois pas déverrouiller tout ce qui est j'enfonce dans le sol et fermeture des omoplates. C'est quelque chose que vous pouvez faire contre un mur. Je vous ai exemple, je suis peut-être un peu loin, mais vous allez vite comprendre. Bras tendu, je suis en appui contre le mur, là, et j'essaye d'enfoncer les coudes dans le mur. Là, je reviens. Hop, je reviens. C'est exactement le même travail qu'Agathe va recommencer pour une deuxième fois. Allez, c'est parti, Agathe. Donc, j'enfonce le talon au sol. Et j'enfonce mes coudes dans le sol. Ok ? Donc, deuxième exercice où on va cibler le travail typiquement dans le haut du dos, entre les épaules et entre les omoplates. On fait ça 6 fois. Agathe ne va plus en pouvoir, elle va être fatiguée. C'est sa deuxième séance du jour. 6 fois 40 secondes, par exemple. Si vous êtes dérangé par le creux du dos ici, ne forcez pas avec les fessiers. On a tendance à vouloir compenser avec les fessiers et monter en forçant la contraction des fessiers. Et on en oublie d'enfoncer ici le talon. Contentez-vous de raisonner sur coude dans le sol, talon dans le sol. C'est les trois points, évidemment, que je dois garder à l'esprit. Bien sûr, elle a gardé le côté droit puisqu'on était fixé tout à l'heure sur la hanche droite. C'est ce qui nous intéressait. Variez, faites-moi 4, 5 fois 40 secondes par exemple du côté droit et 3, 4, 5 fois en fonction de ce que vous supportez
40 secondes du côté gauche. On n'est pas là pour créer plus d'asymétrie que le swing de golf. Au contraire. C'est bon, Agathe? Pas trop dur celui-là. Hein? Un peu dur. Est-ce qu'il est plutôt général ou est-ce qu'il est ciblé à un endroit? Comme tu as dit, je trouve qu'il est vachement sur les fessiers. Ok. Donc, vous voyez, la remarque, elle est pleine, elle est nature. On est trop sur les fessiers. Dans ces cas-là, je demande vraiment à déverrouiller le bas du dos, moins monter tout ce qui est bassin et accentuer les coudes dans le sol. Ça, c'est vraiment le travail. Si quelqu'un, par exemple, je sais qu'elle a l'habitude de le travailler, donc là, il n'y a pas de souci. Si elle ne sent pas le travail et qu'il y a trop de compensation avec le bassin, c'est typiquement la personne à qui je vais demander de le faire contre le mur et essayer d'enfoncer, relâcher, enfoncer le mur. Voilà, ça c'est très très simple. Ok, et là on est sur du renforcement haut du dos et milieu. Hein, on peut vous donner les noms des muscles, hein, mais on n'est pas là pour faire la littérature anatomique, littéraire. On va enchaîner, cette fois-ci beaucoup plus dynamique, Agathe, tu te relèves. Tu reprends ton kettlebell, ton copain le kettlebell. Yes, sir. Voilà, on va repasser en plein pied. Là, je vais typiquement lui demander. Ah, tu fais la maline. 6 kilos. Elle fait la même chose, parce que c'était lourd dans mon scooter. Elle fait la même chose avec 12 à 18 kilos. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée. 40. Non, c'est pas vrai. Je vous confirme que c'est pas vrai. Là, il y a 6 pour la démo, mais en règle générale, elle tourne entre 12 et 18 kilos, donc 12, 16 ou 18. Ok? Donc là, très simplement, position debout, les pieds larges. Vous voyez qu'elle connaît l'exercice. Elle a bien révisé. Et puis, je vais lui demander de conserver le poids très haut ici. Et avec l'autre main libre, d'aller toucher son pied opposé. Allez, à toi de nous montrer maintenant. Reste avec nous, Agathe. Ah, elle s'est surpris elle-même. Voilà. Donc, on est sur un travail, bien sûr, de je fixe mon épaule, je fixe mon poids en haut, mais je dois produire une rotation et une flexion. Donc, on est bien sûr dans des angles beaucoup plus grands que le swing de golf. D'accord? Allez, Agathe, tourne plus les épaules. Voilà, ça, c'est super. D'accord? Et là, on est typiquement sur quelque chose où je crée un axe et je tourne autour. Je crée un point de fixation qui est le poids là-haut que je dois garder, mon épaule droite fixe et je tourne autour. Voilà, de l'autre côté peut-être. T'as encore un petit peu d'énergie. Je sens qu'elle veut aller taper encore des balles, alors je vais vous offrir ce cadeau-là. Elle va aller taper 3 balles encore après et on reviendra faire un petit exercice. Ah non, on restera là-bas faire un autre exercice élastique. Attention ton poids qui se promène. Voilà, allez, je reste là-haut. Oui, allez, hop là, t'as vu le poids qui passe à l'inverse. Vas-y. On peut faire sans poids. Bien sûr, c'est ça. De temps en temps, elle est joueuse. Là, bien mieux au niveau du poids, vous avez vu qu'elle s'était fait embarquer. D'accord? Alors, vous n'avez pas spécialement ce genre de poids-là. Eh bien, c'est très simple. Vous prenez une bouteille d'eau, petite ou grande, ok? Vous mettez votre main à plat, la bouteille d'eau ici, et vous vous amusez à faire le même geste sans que la bouteille d'eau tombe au sol et explose sur votre carrelage, sur votre parquet. D'accord? Je sens que je vais avoir des plaintes. Merci de ne pas écrire de message à Journal du Golf, s'il vous plaît. Hein. Allez, on essaye par exemple. Ta main à plat, sauf que là il y a 6 kilos. Hein. La main à plat, même exercice, et c'est parti. On essaye. Voilà, et là c'est pas la même histoire. Avec votre bouteille d'eau, vous avez du proprioceptif au niveau buste à faire en plus et vous devez quand même fixer au niveau de l'épaule. Donc c'est très très bien, c'est très formateur. Allez, encore un. Et on va lui demander après d'aller taper 3 balles. Typiquement, si j'avais le choix et si je pouvais, je lui demanderais de taper 3 balles, de tenir 3 secondes également le top backswing, et c'est là où je viendrais l'embêter, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. Vas-y Agathe, mets-toi en place.
backswing, tu veux. Reste en haut du top backswing. Voilà. Et là, je viens t'embêter. Je viens t'embêter. Voilà. Tu te reprends ta position et tu joues. Voilà. On a travaillé sur le lien entre épaule, haut du dos. Donc, lui faire taper des balles juste pour le plaisir, en tout cas, c'est pas mon job. Moi, je suis prépa physique. Le but du jeu, c'est de voir un petit peu si le travail déstructurant qu'on a fait juste avant. Ah, reste là-haut, solide, solide, là, encore, encore, là, voilà. Est-ce qu'elle l'a un peu imprégné? Est-ce qu'elle a, elle a utilisé le travail qu'on vient de faire pour derrière sortir un missile, j'espère. Alors, concernant Agathe, si vous voulez des petits chiffres, alors il y a ceux qui s'affichent là, vous arrivez à voir normalement, 152 au niveau distance, en mètres. 18,5 degrés de lunge, d'accord, ça c'est les premiers chiffres, on reviendra après. Agathe, dernièrement, a percé le plafond, on peut le dire ou pas? Allez. C'est ta satisfaction d'il y a une semaine et demie, elle a percé le plafond des 100, donc elle a dépassé les 100 km/h. Miles par heure, excuse-moi, j'ai des bêtises. Pour le drive, voilà. Donc c'était un de ses objectifs avant d'aller à l'US Open. Elle l'a fait plusieurs fois là, dans les deux semaines qui viennent de s'écouler. Voilà. Honnêtement, c'est très simple, c'est une bosseuse. Agathe est une vraie bosseuse. C'est-à-dire que si elle n'a pas quelque chose ou pas de nouvelles de ma part un jour, je peux vous dire que j'ai 10 messages à la minute. Donc moi, ça me va, c'est très bien, je suis là pour ça. Il ne répond pas tout le temps. Merci Agathe, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en direct. Mais ça sera payé par des pompes, ça. Ou des burpees, tiens. Allez. Non, trêve de plaisanterie. On vient de voir deux zones du corps différentes. Chez Agathe, il n'y avait pas un énorme travail, en tout cas dans un premier temps, de musculation et de prise de volume et de poids. Quand je parle de poids, c'est mobiliser un poids en musculation beaucoup plus grand. On avait encore ce super tournoi. Elle a ce tournoi-là du 10 au 14 décembre, je ne dis pas de bêtises. À l'US Open, 10 au 13, pardon, et on devait pour ça améliorer la transmission de son énergie dans son swing de golf entre le bas du corps et le haut du corps. C'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui deux choses, deux charnières hyper importantes qu'on avait ou à déverrouiller ou à reparamétrer, on va dire ça comme ça, qui étaient la hanche et l'épaule. Bon, un des curseurs qu'on voulait atteindre, ou en tout cas qu'elle voulait atteindre avec son coach, c'était de pouvoir toucher et dépasser les 100 miles par heure. Bon, c'est fait. Elle le refait régulièrement. Et on va continuer à assainir un petit peu le travail du corps et la transmission des énergies. Maintenant, on sait qu'après l'US Open, l'objectif, ça va être, et elle a déjà commencé, de prendre des barres et de les mobiliser très rapidement avec un travail d'explosivité, jambe droite et jambe gauche, parce qu'elle avait eu un petit souci au genou droit il y a quelques années, 2 ans maintenant. Un an et demi. Voilà. Et donc, maintenant, on a besoin de regagner un petit peu en force, mais on verra ça après l'US Open. D'accord? Donc voilà un petit peu les deux choses qu'on voulait vous montrer. Je voulais, pour terminer, et puis Agathe va vous montrer quelques swings et quelques commentaires, je voulais pour vous montrer un petit exercice que j'affectionne particulièrement pour terminer cette session live, qui est très simple, avec une envie d'accélérer, une envie, vous allez voir, je le fais sur practice à chaque fois. Elle va prendre l'élastique à deux mains en position de swing. Derrière, c'est moi qui tiens l'élastique, je l'embête, je tends l'élastique et elle doit très rapidement mobiliser les mains vers l'avant. C'est très dur. Allez, là, voilà. Vite. Et moi, je m'éloigne de plus en plus. Et elle doit générer de la vitesse. Hop, vas-y, lâche l'élastique, prends le club, tape deux balles. Tout de suite derrière. On sent bien les abdos sur cet exercice. Donc, engagement des abdos, travail avec le lien de l'épaule qu'on vient de voir. Ok. Un peu de dispersion, mais rien de très grave. Donc, faire 7, 157 mètres. Club speed 79,6 miles par heure. Un carry à 149. Voilà. Et là, elle s'est fâchée. Elle n'aimait pas les chiffres que j'étais en train de donner. Donc, on va être sur
je vais vous les redonner. 165 mètres de distance, 15,8 de degré en lunch, club speed 79,8 et carry 156. On était à peu près 145-146 tout à l'heure. Voilà, une troisième balle si tu veux et on refait, on refait l'exercice, c'est parti. Et ainsi de suite. Allez, accélère avec elle. Et moi, je m'éloigne de plus en plus pour l'embêter. Encore, encore. Allez, accélère, accélère, accélère. Et là, elle est obligée de mettre en jeu sa charnière au niveau hanche, au niveau lombaire, puis après en haut les abdos, puis les épaules, la transmission vers les bras. Allez. C'est typiquement un exercice sur practice, direct. On fait une dizaine de fois d'affilée avant de passer sur un autre. Bon, 162 mètres. Je n'ai pas vu la suite, refais-en une autre. Désolé, regarde. Bon, je vais vous annoncer les chiffres. 147 mètres. Ah, on était à 162 tout à l'heure. On est à 79,8 avec une régularité de club head speed. Un lunge 18,2 et un carry à 141. Okay. C'est typiquement le moment où, quand j'ai besoin de la faire accélérer et de travailler la transition entre le sol, les jambes, les hanches qu'on vient de voir, le buste, elle vous l'a dit, ça engage énormément les abdominaux, puis les épaules qu'on a vues juste avant avec les exos, c'est typiquement le moment où je sors mon élastique et mes forces pédales, d'accord, pour l'embêter. Donc je peux typiquement... vouloir, vas-y, remets-toi en position Agathe. Je vais la mettre dans un inconfort avec un force pédale sous la pointe de pied dans mon travail d'élastique. D'accord ? Donc elle fait le travail d'élastique avec le force pédale. Vas-y, par exemple. Donc, toujours la même chose. Accélère, accélère. Allez, engage les mains vers l'avant. Encore plus solide. Voilà. Et là, elle est dérangée. Ok, hop, on lâche, on enlève, tout de suite on prend le club et elle va nous faire un top level. Allez, vas-y, montre-nous un petit peu. Donc là, elle a perdu un peu de temps, mais tout de suite derrière, on enchaîne. Voilà, super. Je l'embête dans mon exercice et je la remets dans son confort de swing à 167 mètres en l'occurrence. 82,9 de vitesse de club. Donc là, on est bien au-dessus de ce qu'on vient de voir. Ok. Et je la remets dans son confort de swing pour qu'elle puisse exprimer soit une vitesse, soit un angle d'attaque. Là, on est à 173 mètres, 86,8 miles par heure et 164 de carry. Pour les chiffres que vous n'arrivez peut-être pas à lire. Donc voilà, et typiquement, je ne suis pas du tout étonné, mais alors pas du tout étonné, quand on déstructure grâce à ce genre d'exercice, et je n'ai pas honte de dire qu'on déstructure, c'est que je la fais bosser avec une angulation du pied, là en l'occurrence c'était pointe de pied par-dessus, les tensions, tendon d'Achille, mollet, ischio, fessier et lombaire ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes. Donc quand j'enlève... ce qui l'embête un petit peu, ce qui déstructure, ce qui demande à se repositionner d'un point de vue neuro, d'un point de vue postural, eh bien, tout de suite derrière, vous avez vu les différences de chiffres, alors que on est quasiment dans les mêmes swings. Tu peux, au niveau sensation, on est dans la même chose. On travaille vraiment avec ce genre d'outils, les forces pédales, sur le neuromoteur, et on sait qu'on a beaucoup de choses à gagner. Alors, on a la chance ici à Golf en Ville d'avoir les chiffres tout de suite. Quand vous avez la chance d'avoir un coach qui est un trackman, eh bien, c'est pareil, on arrive à avoir des superbes chiffres. Après, il faut jouer avec le ressenti de l'athlète et voir un petit peu ce que lui ressent, le questionner, avoir le coach à côté, enfin voilà. Mais quand on a la chance d'avoir les chiffres, c'est flagrant. On arrive à des choses hyper intéressantes dans la création de puissance et à savoir du bas vers le haut avec l'interaction au sol. Donc ça, voilà un petit peu le dernier exercice que je voulais vous montrer. Agathe, pas trop fatigué ? Si, très bon, fatigué. Là, on va devoir s'arrêter là. Alors. Moi, je vais continuer tout seul, alors peut-être. Bon, en tout cas, je voudrais remercier
Agathe, avant de vous annoncer une petite news, je voudrais remercier Agathe de s'être prêtée au jeu de ce petit live là, d'une quarantaine de minutes, d'avoir pris de son temps parce qu'elle bosse énormément en ce moment sur son swing avec son coach, en physique, en plein de choses, d'accord, pour être fin prêt du 10 au 13 décembre à l'US Open à Houston au soleil. Elle aura la chance d'être au soleil, mais on va suivre ses résultats. Merci beaucoup Agathe. N'oubliez pas, avant qu'on se quitte, demain soir, vous avez un super live premium qui est hyper important, aussi important que ce qu'on vient de vous montrer, voire davantage. Le thème, le titre, plus jamais trois putts. Plus jamais trois putts. Live premium avec Rémi Bedu, Kelly Sautière et des super intervenants, surprise, qui sont d'un high level. Gros, gros niveau pour le putting. Plus jamais trois putts. J'espère que tu ne te dis plus ça, toi. Hein. Tu te dis ça, toi? Non, on va pas dire ça. Plus jamais trois putts, parce que vous aurez toutes les billes, vous aurez toutes les informations et des super intervenants, justement, pour ne plus faire trois putts. Allez, moi, j'y vais faire mes trois putts. Agathe, merci beaucoup. Merci à très vite. À la semaine prochaine. Ciao. See you.